Salut tout le monde, cette vidéo fait suite aux propositions que vous m'avez faites sous ma vidéo des 1000 abonnés. On va donc parler du déchiffrement, des hiéroglyphes. Je suis super content de pouvoir traiter ce sujet parce que c'est quelque chose que j'ai fait dans ma propre thèse de doctorat, donc c'est vraiment un sujet qui me passionne et j'espère que cette vidéo va vous intéresser tout autant que moi. Il y aura deux vidéos sur le sujet parce qu'il y a énormément de trucs à dire et que j'ai envie d'être le plus exhaustif possible. Dans ce premier épisode, on va parler des tout premiers travaux sur l'écriture hiéroglyphique, depuis l'Antiquité jusqu'au début de l'époque moderne. Dans le second, on parlera de la suite de tous ces travaux jusqu'au déchiffrement final par Jean-François Champollion. Mais ne perdons pas plus de temps, on commence tout de suite, c'est parti! Avant de parler du déchiffrement, il me faut donner un bref aperçu du fonctionnement du système hiéroglyphique, parce que je suis pas sûr que tout le monde ici sache lire les hiéroglyphes couramment. Il existe trois grands types d'hiéroglyphes, les logogrammes ou idéogrammes, les phonogrammes et les classificateurs. Les logogrammes d'abord. C'est la fonction la plus connue, l'hiéroglyphe représente ce qu'il désigne. Par exemple, la huppe ou l'autruche peuvent directement signifier huppe ou autruche. Idem avec la pyramide ou avec les signes représentant les dieux entre autres. Les phonogrammes ensuite. Ces hiéroglyphes ne signifient rien en soi, mais servent à noter les phonèmes, c'est-à-dire les sons utilisés dans la langue égyptienne. C'est un peu comme nos lettres à nous, qui ne signifient rien en tant que telles, mais qui, mises les unes après les autres, créent des mots et finalement les phrases. Il existe un tas de phonogrammes notant un ou plusieurs sons, avec tout un lot de variations, mais l'important à retenir, c'est que ces signes sont phonétiques. Par exemple, le mot autruche, dont je parlais juste avant, s'écrit généralement en égyptien à l'aide des phonogrammes notant le mot lui-même, auquel on ajoute l'hiéroglyphe de l'autruche à la fin. Nous avons donc un groupe de trois signes, N, I, U, notant la prononciation du mot, Niou. L'autruche, elle, confirme qu'il s'agit bien de ce mot-là et pas d'un autre qui pourrait se prononcer de la même façon. Et c'est là qu'intervient le troisième type principal d'hiéroglyphe. Vous noterez la transition au passage ? Ce troisième type est celui qu'on appelle généralement déterminatif, mais que je préfère nommer classificateur. Mais en dehors de ce débat typologique, à quoi servent ces signes? Ce sont des hiéroglyphes que l'on place à la fin des mots et qui servent à indiquer la catégorie sémantique à laquelle appartiennent ces mêmes mots. Par exemple, le mot seba peut signifier au moins trois choses différentes en égyptien. Enseigner, étoile et porte. C'est ce qu'on appelle des homophones, ou homonymes, ou homographes, appelez ça comme vous voulez. Et on en trouve aussi beaucoup en français, par exemple, comme dans plein d'autres langues. Du coup, pour éviter toute confusion dans un texte, les Égyptiens ajoutaient un hiéroglyphe à la fin du mot, après les phonogrammes, pour indiquer de quelle signification il s'agissait. Le verbe enseigner prend ainsi un homme avec un bâton, qui sert à indiquer qu'il s'agit d'un verbe d'action. Le mot étoile est suivi d'une petite étoile. Et porte est accompagné de la représentation d'un élément architectural, par exemple une porte monumentale. Ces signes indiquent donc la catégorie sémantique, le champ lexical auquel appartient le mot, et c'est pourquoi j'aime à les appeler des classificateurs, et je suis loin d'être le seul. Résumons. Les hiéroglyphes égyptiens fonctionnent avec trois types principaux de signes. Les logogrammes, l'image qui renvoie directement à son référent, les phonogrammes, qui notent les sons, et les classificateurs, qui permettent d'éviter le problème d'homonymie et qui indiquent la catégorie à laquelle appartient le mot. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, vous vous en doutez. Mais ça donne un bon aperçu du fonctionnement de base de l'écriture hiéroglyphique et ça va permettre de mieux comprendre comment on est arrivé au déchiffrement final. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à lire les hiéroglyphes, je vous ferai plus tard des recommandations de livres, mais vous pouvez aussi aller sur la chaîne du Scribe que je mets dans la description. Il y a pas mal de vidéos sur le sujet et c'est vraiment très intéressant. Remontons 2500 ans en arrière, au 5e siècle avant Jésus-Christ. À une époque où les voyageurs grecs visitaient l'Égypte et en rapportaient de fascinants rapports sur tout ce qu'ils y avaient vu, y compris les textes hiéroglyphiques qu'ils ne savaient pas lire. Hérodote lui-même, dans le deuxième livre de ses enquêtes, parle de l'une des stèles de Semna, commandée par Sésostris III. Et pour en savoir plus sur ces stèles, je vous renvoie à ma vidéo sur Sésostris qui est sortie cet été. Bref, Hérodote évoque l'une de ces stèles et la décrit en ces termes. Chez ceux dont il avait annexé les cités sans combat et sans peine, il gravait sur les stèles des inscriptions de même teneur que chez les peuples qui s'étaient conduits bravement, et y gravait en outre l'image des parties sexuelles de la femme. Il voulait rendre manifeste par là que ces peuples étaient sans bravoure.
Hérodote ne savait pas lire les hiéroglyphes, et on comprend à travers ces lignes que pour lui, cette écriture faite d'images est en fait un enchaînement de symboles à la signification métaphorique, ce qui était d'ailleurs l'opinion majoritaire à l'époque. À peu près au même moment, c'est le philosophe Platon qui se rend en Égypte. En dehors de toutes les péripéties qu'il a pu vivre là-bas, ce qui nous intéresse ici, c'est que Platon parle, dans Phèdre, d'un mythe racontant l'invention de l'écriture. Pour faire simple, d'après Platon, c'est le dieu Thoth qui aurait inventé l'écriture et qui l'aurait ensuite offerte aux humains. À travers cette histoire, Platon fait de l'Égypte une terre millénaire, mère de la civilisation, qui aurait été autrefois en contact direct avec les dieux. Même si Platon ne parle pas explicitement des hiéroglyphes, on voit bien qu'il reprend, comme Hérodote, des témoignages sans doute donnés par des Égyptiens eux-mêmes, mais qu'il adapte à sa propre façon de penser et à sa propre vision du monde. Il faut ensuite attendre plusieurs siècles pour retrouver mention des hiéroglyphes égyptiens sous la plume d'auteurs classiques dont les noms sont restés dans l'histoire. C'est notamment le cas de Diodore de Sicile, historien romain du 1er siècle avant notre ère, qui nous offre sa vision des hiéroglyphes égyptiens dans le livre 3 de sa bibliothèque historique. Nous devons, cependant, parler de cette sorte d'écriture qui, chez les Égyptiens, est appelée sacrée. Ce n'est pas en effet l'agencement des syllabes qui, dans leur écriture, rend l'idée à exprimer, mais une signification symbolique attachée aux objets qui sont copiés, et une transposition imprimée dans la mémoire par un long exercice. On comprend ici que Diodore considère les hiéroglyphes comme autant de symboles. Les signes ne possèdent aucune valeur phonétique, et ils n'ont qu'une signification symbolique que l'on ne peut saisir que par l'apprentissage et l'initiation. Il donne ensuite des exemples de ce que signifient les hiéroglyphes d'après ce qu'ils croient en connaître. Ainsi donc, le faucon signifie pour eux tout ce qui se fait rapidement, parce que cet animal est probablement le plus rapide des oiseaux. Cette idée est alors transférée par un transfert métaphorique approprié à tout ce qui est rapide, et à tout ce qui est approprié à la rapidité. À peu près comme si on avait employé des mots. C'est malheureusement complètement faux, et c'est justement ce genre d'affirmation qui a donné naissance au préjugé symboliste, c'est-à-dire la croyance dans le fait que les hiéroglyphes ne sont que des symboles à la signification allégorique, et vous allez voir que cette croyance va perdurer durant de très longs siècles. De fait, Tacite, historien romain du 1er siècle, explique que les Égyptiens se servaient de figures d'animaux pour représenter les idées. De même, Plotin, philosophe du 3e siècle, et lui-même né en Égypte, raconte que les sages de l'Égypte, pour désigner les choses avec sagesse, n'usent pas de lettres dessinées qui se développent en discours et en propositions qui représentent des sons et des paroles. Ils dessinent des images dont chacune est celle d'une chose distincte. Chaque signe gravé est donc une science, une sagesse, une chose réelle, saisie d'un seul coup. Le préjugé voulant que les hiéroglyphes soient autant de symboles dénués de toute valeur phonétique est ainsi très bien ancré dans la pensée de l'époque. La seule liste des savants anciens ayant partagé ce préjugé montre bien à quel point le préjugé symboliste a essaimé un peu partout dans le bassin méditerranéen. Ainsi, à Rome, on peut citer Lucain, Plutarque ou encore Ammien Marcellin. En Grèce et au Proche-Orient, Cérémon d'Alexandrie, Jean Blic et Apulée notamment. Et jusqu'en Égypte même avec Cosmas Indicoplestes. Et je pourrais continuer encore très longtemps, hein. C'est pire qu'une liste de Pokémon ce truc. Arrive alors, au 5e siècle de notre ère, un auteur qui fait date dans le déchiffrement des hiéroglyphes, Or Apollon. Avant de parler d'Or Apollon, il est important de préciser une chose. Le dernier texte attesté en hiéroglyphes date de 394 après Jésus-Christ. Il s'agit d'une courte dédicace, sans doute rédigée par un prêtre dans le temple de Philae, à l'extrême sud de l'Égypte. En somme, la connaissance des hiéroglyphes semble s'être peu à peu perdue au début de l'ère chrétienne, jusqu'à disparaître totalement au 4e ou 5e siècle de notre ère. Notez qu'avant cela, en 380, l'empereur Théodose Ier avait décrété l'interdiction de cette écriture qu'il condamnait en tant que pratique païenne. Toute cérémonie païenne est également interdite à ce moment, achevant de fait l'ancienne religion des Égyptiens. C'est donc à une époque où les hiéroglyphes sont une écriture morte qu'Or Apollon rédige son œuvre restée célèbre, les Hieroglyphica. Et quand je dis que ce livre est resté célèbre, ce n'est pas qu'une expression, parce que même s'il a été redécouvert seulement à la fin du Moyen-Âge, il est resté l'ouvrage de référence sur le déchiffrement des hiéroglyphes durant plus de 3 siècles, jusqu'à la fin du 18e siècle, et ce, plus de 1000 ans après sa rédaction. Né à Alexandrie, Or Apollon était un prêtre égyptien qui ne semble pas avoir maîtrisé l'écriture hiéroglyphique, mais qui a sûrement côtoyé d'autres Égyptiens qui, eux, en possédaient la connaissance, même approximative. Dans ses hiéroglyphica, Or Apollon donne la signification de tout un tas de signes hiéroglyphiques.
Dans chaque fiche, l'auteur donne un exemple d'utilisation du signe hiéroglyphique et l'explique ensuite à travers différentes allégories et observations parfois surprenantes. Par exemple, Or Apollon explique que l'hiéroglyphe du lièvre sert à noter tout ce qui est en rapport avec l'ouverture, le fait d'ouvrir quelque chose. Ce point est tout à fait juste puisque le signe du lièvre est en effet utilisé dans le verbe « un », ouvrir. Là où ça part un peu en cacahuète, c'est que l'auteur explique cela par le fait que, je cite, « le lièvre a toujours les yeux ouverts ». Alors, je suis pas spécialiste des lièvres, mais il me semble que cet animal ferme les yeux de temps en temps, quand même. C'est peut-être très rapide et difficile à voir parce que le lièvre, bah, il bouge tout le temps, mais ça m'étonnerait qu'il reste tout le temps comme ça. D'ailleurs, s'il y a des lièvres qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire si vous fermez les yeux de temps en temps, hein, ça aidera tout le monde. Et cet exemple n'en est qu'un parmi des dizaines d'autres, car Or Apollon fait de même avec l'oie, par exemple, dont il dit « Quand les Égyptiens veulent écrire le fils, ils peignent une oie, car cet animal montre le plus d'affection pour ses petits ». En réalité, si l'hiéroglyphe du canard, parfois confondu avec celui de l'oie, sert bien à écrire les mots « fils » et « fille », cette relation n'est que phonétique, rien à voir avec un prétendu amour filial de l'oie envers ses petits. Idem avec le serpent, dont Or Apollon dit qu'il sert à écrire la bouche, car selon l'auteur, le serpent n'a aucun membre solide si ce n'est la bouche. Mais si l'hiéroglyphe du serpent peut en effet parfois remplacer celui de la bouche, c'est uniquement parce qu'ils portent tous deux la même valeur phonétique, ra, et pas du tout parce que le serpent n'a que la bouche de soi-disant solide. Ce qu'il faut retenir, c'est que Or Apollon mêle le vrai et le faux dans ses explications. Cela signifie qu'il avait sans doute reçu des témoignages corrects à propos du système hiéroglyphique, mais qu'il enrobe le tout dans des allégories et des explications très bizarres pour coller à sa vision des choses. Le préjugé symboliste est donc largement renforcé par les hiéroglyphicas, qui sont en plus rédigés par un Égyptien, et qui donnent des explications qui collent parfaitement à la pensée de l'époque. Ce livre passe donc pour un ouvrage de référence, un incontournable pour le déchiffrement des hiéroglyphes. Une seule voix semble s'être élevée, sinon en opposition, au moins pour nuancer les propos de ses contemporains, celle de Clément d'Alexandrie. C'est vraiment the place to be Alexandrie à l'époque. Clément est un théologien grec des 2e et 3e siècles de notre ère, ayant notamment rédigé une série d'ouvrages appelés stromates, et dans laquelle il établit la première classification connue des hiéroglyphes égyptiens. Clément les divise alors en deux grandes catégories, les signes purement symboliques et les signes phonétiques, utilisés pour les sons qu'ils représentent. Pour faire bref, il postule l'existence de signes se rapprochant des lettres ou des syllabes, sans aller toutefois jusqu'à affirmer qu'il s'agit d'une écriture comme le grec ou le latin par exemple. Mais n'allez pas croire que Clément d'Alexandrie était plus malin ou mieux informé que les autres, parce que même s'il propose une classification intéressante des signes hiéroglyphiques, ses interprétations personnelles ressemblent à celles d'Or Apollon et des autres symbolistes. C'est donc un peu un coup d'épée dans l'eau. En résumé, durant l'Antiquité, les hiéroglyphes sont vus comme autant de symboles que l'on ne peut déchiffrer que si l'on en connaît les significations secrètes. Ces significations sont parfois pragmatiques, parfois liées à tout un substrat mythologique et philosophique lié à l'Égypte elle-même. Au Moyen-Âge, les hiéroglyphes semblent n'intéresser que très peu de savants, et on n'a retrouvé qu'un très faible nombre d'écrits sur le sujet. Seuls les auteurs arabes et byzantins y consacrèrent quelques travaux, les premiers appelant les hiéroglyphes « écriture des oiseaux », en raison du grand nombre d'oiseaux existant en hiéroglyphes. Malheureusement, quelle que soit la région ou l'époque concernée, le préjugé symboliste continue de sévir, et on voit les hiéroglyphes comme des signes presque ésotériques aux significations cachées. Ce n'est qu'au XVe siècle que les recherches autour des hiéroglyphes reprennent du poil de la bête, notamment avec la redécouverte de travaux anciens comme ceux d'Amien Marcellin et évidemment les hiéroglyphica d'Or Apollon, qui sont retrouvés en 1419 et réédités en 1505. Ces auteurs, comme je l'ai expliqué précédemment, font partie de ceux ayant tenté d'expliquer les sens profonds des hiéroglyphes en leur accolant toutes sortes de significations fantaisistes. Ainsi, la redécouverte de leurs œuvres a conforté l'idée selon laquelle les hiéroglyphes étaient bien des symboles qu'on ne pouvait déchiffrer qu'après avoir été initiés au secret des prêtres égyptiens perdus depuis plus d'un millénaire. Le mot hiéroglyphe devint même, à cette époque, un nom donné à toutes sortes de signes incompréhensibles ou illisibles en général. Un peu comme aujourd'hui en fait. C'est en ce sens que l'utilise Pierius Valerianus, savant italien qui, au XVIe siècle, rédigea d'énormes hiéroglyphica en 58 volumes. Ouais, les mecs, à l'époque, quand ils écrivaient des bouquins, ils faisaient pas semblant. En résumé, et malheureusement,
Malgré la remise à la mode des hiéroglyphes égyptiens au XVe et au XVIe siècle, aucune avancée majeure n'est à signaler dans le processus de déchiffrement. Notez par ailleurs qu'à cette époque, les hiéroglyphes égyptiens inspirèrent de nombreux artistes et artisans, créant leurs propres signes dans un style égyptisant, afin de décorer le mobilier et les domaines de la noblesse, qui était alors de plus en plus fascinée par l'Orient et l'exotisme en général. Ces créations mélangent donc véritables hiéroglyphes et signes créés de toutes pièces afin de convenir aux codes esthétiques de l'époque et aux commandes de ceux qui se font faire du mobilier à l'égyptienne. La véritable course au déchiffrement des hiéroglyphes commence au XVIIe siècle sous l'impulsion de l'un des intellectuels les plus célèbres et les plus controversés de l'époque, Athanase Kircher. Prêtre et orientaliste allemand fasciné par les hiéroglyphes qu'il cherche à tout prix à traduire, ses travaux ont profondément marqué son époque et ont accompagné tous les déchiffreurs à sa suite. Cela est dû à plusieurs choses. D'abord, il fut l'un des premiers à proposer des traductions suivies pour des textes hiéroglyphiques complets, comme des obélisques ou des cartouches contenant les noms des rois. Kircher maîtrisait notamment le copte, langue descendante de l'égyptien ancien et encore utilisée aujourd'hui dans la liturgie. Ainsi, convaincu d'avoir trouvé la clé de lecture des hiéroglyphes égyptiens, Kircher se lance dans une série de traductions pour le moins... farfelues. Voyez plutôt. Prenons par exemple ce cartouche dans lequel est inscrit le nom du pharaon Apries, qui régna durant la 26e dynastie, au début du 6e siècle avant Jésus-Christ. En égyptien, ce nom signifie « la conscience de Ré jubile ». Jusque-là, rien d'exceptionnel. Mais voici la traduction qu'en donne Kircher. Les bienfaits du divin Osiris doivent être procurés par le moyen des cérémonies sacrées de la chaîne des génies, afin que les bienfaits du Nil soient obtenus. Comment dire ? Et là est le cœur du problème, parce que, en dépit de ces traductions complètement pétées, certaines autres intuitions de Kircher s'avérèrent justes par la suite. C'est notamment le cas du rapport de parenté entre anciens égyptiens et coptes, mais c'est aussi le cas de l'hypothèse selon laquelle les hiéroglyphes comprennent, en parallèle des symboles, des signes phonétiques. Kircher est ainsi l'un des premiers à suggérer l'existence de hiéroglyphes phonétiques, qui fut justement la clé du déchiffrement total. Mais le problème, c'est que ces bonnes intuitions se retrouvèrent noyées au milieu de plein de traductions complètement fantaisistes, et que beaucoup le considérèrent donc comme un escroc intellectuel. De ce fait, bien que Kircher ait d'abord rencontré un certain succès, il fut très critiqué à la fin de sa vie et encore plus après sa mort. Ses travaux furent rejetés et toutes ses conclusions, bonnes comme mauvaises, furent pointées du doigt. En résumé, même si l'existence d'hiéroglyphes phonétiques fit son chemin dans l'esprit des futurs déchiffreurs, ceux-ci continuèrent de se méfier et oublièrent complètement le lien entre le copte et l'ancien égyptien. En bref, Kircher fit autant de bien que de mal à la course au déchiffrement. Mais il est impossible de ne pas parler de lui dans un tel sujet parce qu'il en fut un des pionniers. Beaucoup d'intellectuels des 18e et 19e siècles se penchèrent d'ailleurs sur ses travaux et en reprirent les conclusions dans leurs propres œuvres, qu'elles soient scientifiques ou de fiction, à l'image d'Honoré de Balzac et de Gérard de Nerval par exemple. Mais ceci est une autre histoire. Ouais, j'avoue, celle-là elle est un peu cliché. Merci d'avoir suivi cet épisode, abonnez-vous pour ne pas rater le prochain parce qu'on arrive à un moment clé du déchiffrement des hiéroglyphes, avec l'accélération de toutes les découvertes jusqu'à l'eureka finale. Comme d'habitude, laissez un petit like et un petit commentaire si le cœur vous en dit, et moi je vous dis à la prochaine !